Hey! Where's Joe Kern? He's up there on the rig. Où c'est, Mecca? On s'est par là, en plein désert. Et alors, qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Tu sais pas que t'es payé pour travailler, non? J'ai pas le droit de parler à mon copain, peut-être? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette croix de fer? Tu fais partie de cette bande de cons? Et alors, ça te dérange? Si vous aviez fait la guerre, vous sauriez ce que ça veut dire, toute cette ferraille. Et vous n'auriez pas le culot de vous balader avec des croix de fer et des swastikas. Tu veux peut-être que je t'arrache une dent, mais... Non, c'est moi pas ça, hein? Hé, hey, les gars, qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Lâchez-le! Lâchez-le! J'en ai assez, Kern. Tu es renvoyé du chantier. Allez, débarrasse le plancher en vitesse, t'as compris? Et que je ne vous revois plus traîner dans le coin, tous les deux! Nous, on les tuait, les gars qui portaient cette saloperie! Je permets à personne de me casser les pieds. C'est bon pour toi aussi. Blatt. Hein? Blues. Tu peux me dire ce qu'il a, hein? T'en fais pas, c'est pas grave. C'est son contremaître qui lui a cassé les pieds, c'est tout. Cet imbécile interdit les visites des copains dans le boulot. Je suis pas idiote, il a été fichu à la porte encore une fois. Ouais, ce crétin m'a viré. Si on l'a laissé faire, il nous ferait marcher à quatre pattes. Dans ce pays pourri, je me demande comment on peut s'en sortir. C'est la quatrième fois qu'on te revoit en 5 mois. On n'y arrivera donc jamais à ranger ce logement. On s'en fout, non? Pas moi. Viens ici. Non. Alors, viens. Tu connais la nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Demain, on a décidé de faire une virée tous ensemble. Comment ça? Comment ça? Parce qu'on va récupérer ma moto. Ah. Ça te va? Oui. Ouais. Roule vers le sud.
Comptez-vous aller comme ça? N'importe où, mais pas ici. Vous avez intérêt si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Mon ange, laisse-moi venir avec toi, Mecca. Hé, les gars, vous entendez ce qu'elle dit? Elle veut venir à Mecca avec nous, casser la gueule aux Mexicains. Oh, non, j'ai pas dit ça. Les flics là-haut qui nous surveillent avec leurs motos, on dirait des anges qui ont mal tourné. Ah, bouge pas, elle va être belle, cette photo. Est-ce en couleur? Ouais. Ah, laisse-moi venir avec toi. Non, non. Écoutez-moi tous, on fait une course jusqu'au bout du canyon. Là-bas, on fera demi-tour et on viendra ici. Le premier arrivé pourra se taper Mama Monahan. Toujours prête. Regarde là-bas. On met les motos dans la baraque. T'as vu? Alors, t'as rien à nous dire, ma vieille? Allez, file! T'es libre, idiot, profite-en! Allez, fous le camp! Alors, viens, loser. T'as déjà vu une bourrique pareille? Fous le camp, bon sang! Tu t'amènes, oui. Si c'est pas malheureux, il est libre, il veut pas en profiter. Regarde-le. Eh oui, tu t'es fait un ami pour la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Connaître le métèque qui a volé la moto d'un ange la semaine dernière. Ici, personne ne vole rien. Je me rappellerai ce que tu as dit. On va quand même jeter un coup d'œil, si tu le permets. Et ahora, señoras y señores, escuchez.
nada menos que la melodía de momento. Se trata de Arriba. Non, mais sans blague. C'est ma vieille pédale de frein, j'en suis sûr. Il y a un paysan qui a raconté des histoires. Hein? Je croyais qu'ici personne ne volait rien à personne. Lance un appel. Où il va, loser? Il est dingue? N'en fais pas pour lui, les flics ne l'auront pas. Thank you.
Et les flics. Alors elle lui a dit, mais inspecteur, si j'avais su que la lumière vous faisait mal aux yeux, il fallait le dire, on pouvait très bien faire ça dans le noir. Hé, hey, elle est pas là. Comment ça s'est passé? D'abord, ils ont commencé à nous regarder de très haut. Ils se prennent pour les durs, ces imbéciles, parce qu'ils ont volé une bécane. On les a vite fait descendre sur terre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand Blues a dit « Amène-toi ici, Métec, montre-nous ta face de rat. » Et le Métec de répondre « S'il vous plaît, Seigneur, ne cognez pas la figure. Nous ne faisons de mal à personne. Et il faut nous comprendre, Seigneur. Tout le monde a besoin de petits pois chez soi. Bon, » je pense qu'on est envahi par des peuples sous-développés. Il y a vraiment les coups de pied au cul qui se perdent. Ah oui. Ils en prendront, crois-moi, s'ils se trouvent encore sur notre route. On est les plus forts, non? Oui, oui. Ça ne paye jamais de s'attaquer à plus fort que soi, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Blues. Blues, où est Loser? Il sera là bientôt. Et les enfants, vous avez faim? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Loser? On a dû se séparer à cause des flics. Loser leur a piqué une de leurs bécanes. Une moto de la police, il est fou, je t'en prie, calme-toi. Tu n'as aucune raison de t'en faire pour lui. Les motards n'ont aucune chance de l'avoir. Il est peut-être retourné à Pedro. Oui, certainement. Dis, t'as soif? Non, merci. Tu crois qu'il va s'en tirer? Comment veux-tu que je le sache? Que danser. Hein? Quand tu es revenu de Mecca, je ne faisais rien d'autre que danser avec Dear John. Et alors? Dans le cas où tu te serais fait des idées sur nous deux. J'ai pas d'idée. D'accord, parlons d'autre chose. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est à toi qu'il faut demander ça. C'est Loser. Quoi, Loser? Oh, je croyais que tu me faisais la tête. Pour quelle raison? À cause de Dear John. Je croyais que tu pensais que j'étais une de ses filles. Et parce que je me tenais assez près de Dear John en dansant, alors je pensais que tu croyais que lui et moi... Ah bah, tais-toi, tu parles trop. Ça va, poupée? Faut pas te laisser aller.
T'en as d'autres, déjà, Valérie. Non, merci. Non, non. Écoute, Frankenstein, tout ce que je demande, c'est qu'on fiche la paix, d'accord? À quoi? On va danser, ça te changera les idées. Laisse-moi tranquille. Poupée, j'ai dit qu'on allait danser, je veux danser. Écoute, Frankenstein, fiche-moi la paix ou Louis, on t'arrangera quand il reviendra. Laisse-moi rigoler, c'est moi qui l'arrangerai, tu veux dire. Blues! Dis, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Frankenstein t'emmerde, c'est ça? Je croyais que cette petite était seule, monsieur le président. Mais je vois que c'était une erreur. Adios. Donne-moi cette saleté! Ah, elle est à moi, je l'ai payé. Ça, c'est à toi! Thank you.
que tu foutais? On t'attend. Bah, tu le sais bien, je pencherai des homards. Qu'est-ce qui se passe? Conférence au sommet. Conférence au sommet. Merci. Ah, ça tient, hein? Oh, le revue pas dans, ça me donne la migraine. Fais A. Bouzer a fait les choses en grand, t'as vu? Oui, j'ai vu. Ils l'ont sûrement passé à tabac. Ouais, c'est probable. J'ai appris qu'ils l'ont mis aux opérés d'urgence. Allez, bille en tête. J'ai dans l'idée qu'il est foutu. Et ils essaient de nous avoir tous. Ils l'ont pas encore fait parler. Qu'est-ce que t'en sais? Ce serait dans les journaux. Si tu crois ce que disent les journaux. Il est pas encore crevé. Loser a les honneurs de la presse, il doit être fier. Alors, ma chérie, tu t'es quand même lavé les cheveux. Gage, maintenant que ton gars est à l'hôpital, on va se payer du bon temps. Blue. Tout à l'heure, Gage. Il se concentre. Ça va être un coup terrible. Allez, viens, chérie, on va boire un verre. Viens. Il faut faire quelque chose. Calme-toi, je t'en prie. Écoute, Mike, je ne suis pas tout à fait idiote. Ils ont enfermé Loser dans un hôpital. Là, ils le mettront directement en prison. Du calme. Tu n'aurais pas une cigarette, par hasard? Si, tiens. J'ai une bonne idée, on va démolir l'hôpital. Tu parles d'une bonne idée? Et comment tu t'y prendras, hein? Puis, de toute façon... De toute façon, il est crevé. Répète ce que t'as dit. Qui a dit qu'il était crevé? C'est moi qui le dis. Ah, il n'en sait pas plus que toi, poupée. Le mieux, c'est d'aller là-bas demain et de tout démolir. Démolir, rien que ça. T'es fou, c'est pas possible. Si, c'est possible. Sans démolir l'hôpital. Qu'est-ce que tu comptes faire, Blues? Ne pose pas de questions. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je voudrais savoir dans quelle chambre est Joe et Kern, s'il vous plaît. Les heures de visite sont terminées, mademoiselle. Oui, je sais, mais... De toute façon, il ne peut recevoir aucune visite en ce moment. Je suis désolée. Ainsi... Oh, mon Dieu. Comprenez-moi, je suis sa sœur et je travaille. Je travaille à Los Angeles et j'ai fait tout ce chemin en croyant que je pourrais... Que je pourrais le voir un instant. Voulez-vous attendre? Je vais me renseigner.
C'est vous la sœur de Joe Acker? Oui, monsieur. Il est très malade. Nous aimerions vous poser quelques questions, mademoiselle. Oui, je sais, mais est-ce que je pourrais le voir? Je ne suis pas d'ici, j'arrive de Los Angeles. Je travaille là-bas et si je ne suis pas à mon bureau demain, je serai renvoyée. Et Joey, c'est très grave, n'est-ce pas? Je lui ai évidemment dit que la visite était terminée. Pour une fois, nous pouvons faire une exception. Suivez-moi. Ah, j'oubliais, appelez tout de suite le poste et dites-leur d'envoyer deux inspecteurs, voulez-vous? Nous avons une parente du suspect. Certainement, mais surtout ne fatiguez pas le malade. Ce ne sera pas long. Je vous en prie, ne parlez pas trop fort et restez une minute, hein, pas plus. Oui. Joey. Joey. Il est tellement fort. Il a perdu énormément de sang. Il est mieux de sortir maintenant. Allons, allons, mademoiselle, il s'en remettra, je vous assure. Le docteur l'a dit. Une vraie comédienne, ta petite amie. Ta gueule. Pygmée, donne-moi un coup de main. Join, t'adosse-toi à la porte là. Pour le cas où un docteur viendrait. Elle a eu un choc. Vous n'auriez pas un calmant? Un instant. Il s'en sortira, mademoiselle, croyez-moi. Est-ce que je pourrais boire un peu d'eau? Quand vous serez un peu calmé, j'aimerais vous poser quelques questions. On l'a vu, cette bouteille? Non! Pygmée, tu vas la détacher, tu la prendras avec toi. Viens nous aider, Joint. Retourne surveiller à la porte. Vous vous sentez mieux maintenant? Oui, merci. Il est en train de s'amuser avec la petite infirmière. Tire-le. Vas-y, tire-le. Quand elle a ouvert les yeux, elle a dit, tu peux y aller, mon chou. Ta gueule. Dis, enlève-lui ce truc-là du bras, ça me rend malade. Voiture 6, on est les gouttes. Ici, voiture 182. Tu penses pas qu'on devrait le ramener à l'hôpital? Qu'est-ce que t'en dis, Blues? J'appelle voiture 6, 13 et 8. Voiture 6, 13 et 8, répondez. Ici, 182. Tentative de viol à l'hôpital Washington. Urgent. Hé, hey, c'est pour nous! Accélère! Je répète,
tentative de viol à l'hôpital Washington. Il y a encore de la bière. Plus du tout, maman. Ah, c'est toujours pareil. Donne-moi ça, va. J'en ai plus besoin que toi. Tu t'es fait une bonne soirée, maman? Comme si, comme ça. Et puis, est-ce que ça te regarde? Oh. Ça suffit, les enfants, j'en ai plein le dos, moi. J'ai déjà assez d'ennuis avec les flics, alors vous permettez. Ferme-la, hein? Tu veux? Allons-y, mettons-les sur la table. Mais il va claquer. Où est-il encore, ce Médic? Pygmé, va chercher Médic. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est Louze. Oh, là, là, je devrais jamais le garder ici. Allez, tirez-vous, il peut même pas respirer. Vous entendez ce que je dis? Vous allez sortir, oui ou non? Tu devrais lui passer la serviette sur le visage. Mais sur quel ton il faut vous dire de décamper? Personne ne m'avait prévenu qu'on allait le chercher ce soir. Laissez-moi passer. Est-ce qu'il va bien? Joey. Joey, chérie. Joey. On lui est dans les pommes. Joy. Vous auriez dû le laisser à l'hôpital. Joy, chérie. Joy. Ça suffit maintenant. Je veux que tout le monde sorte de cette pièce, vous entendez? Ne le laissez pas là. On va le porter dans la chambre là-haut. Mike, aide-la. Doucement. Allez, sortez tous! Voilà, posez-le là-dessus. Je vous interdis de le mettre ici. Qu'est-ce qui vous prend? Vous allez me ficher le camp, oui? Je viens de coucher mes trois gosses et je voudrais bien qu'ils dorment. Allez, fichez le camp, vous avez compris? Foutez le camp! Tu ferais mieux de sortir avec ton moutard si on te gêne. Ah, ta gueule! Laissez-le passer. Je suis en retard, j'arrivais pas à faire démarrer ce sacré scooter. Vous m'en avez sorti. Oh, c'est magnifique. Oui, mon lieutenant, la sortie, ça ira maintenant. Comment te sens-tu, vieux frère? Je me sens très bien. Salut, bébé. Mon chéri. Comment vas-tu, Joey? Regarde. Quoi donc? J'ai brisé ma médaille. C'est pas de veine. Oh, on t'en trouvera une autre. Il mangerait peut-être quelque chose? Tu parles comme s'il avait envie de manger. Donnez-lui une bière. Allez-vous-en, j'en ai assez. Oh, ça va être grâce, tu veux. Chérie. Chérie, tu veux quelque chose? Oui. Je voudrais. Tu sais ce que je... Est-ce que vous n'allez pas bouquer cette radio, oui, à la fin? J'en ai assez! J'en ai assez de vous voir là! Sortez tous de ma chambre! Est-ce que vous comprenez, oui? Mais sortez!
sortez d'ici ou je tue quelqu'un. Tous ensemble, vous m'en avez sorti. Allons, foutez le camp, c'est bon pour toi aussi, John. Il est foutu. Prenez votre temps. Les anges sont très nombreux. C'est celui-là. Il y en avait d'autres, mais c'est celui que j'ai vu. Je suis sûre de ne pas me tromper. Posez-le sur la table. Vous avez le permis d'inhumer? Oui. Qui a accepté de vous établir ce chef-d'œuvre? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est bon? C'est une merveille. Qui l'a signé? Un vétérinaire? Qu'est-ce qui te fait rire? Un vétérinaire? Oh, ferme-la. Allez, portez-le là-bas. Il y a quelque chose qui vous déplaît, dites-le. Du calme, jeune homme. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas en règle, n'est-ce pas? Tout cela dépend de ce qui l'accompagne. Quel est votre prix? Quelles sont vos intentions? Préparez-le comme il faut. Et transportez-le dans un corbillard jusqu'à la ville de Sequoia Grove. Et mettez-lui sa tenue. Sequoia Grove, ce n'est pas ici. Ça vous coûtera plus cher. Oui, j'ai compris. Combien? Vous voulez dire pour le tout? Oui. Ah, voyons, 250 plus... 250 plus combien? Eh bien... 350, ça vous dira? Je pense qu'il vaut mieux prévoir 450. Ça suffit, on voit la 400. Oh, plus les taxes. Vous alliez oublier l'oncle Sam et les gourmands. Parfait, parfait. C'est un plaisir de travailler avec des gens comme vous. Et ne vous en faites pas, messieurs. Notre maison fait toujours un travail soigné. Police.
inauguré pour la dernière fois. Et en 1915. On n'a pas vu Blues depuis 8 jours. On m'a dit qu'il était parti pour Mexico. C'est ça, Mexico. Qui vous l'a dit? Hein? Deux de nos vieilles tantes qui étaient dans le cas. Ah, mais c'est vrai, monsieur Lasso. C'est vous qui étiez tante. Je sais, je me fous des flics. J'ai pas le temps d'y penser. J'ai tout foutu en l'air pour loser, tu le sais bien. Quoi? Boucle-la, tu veux? Écoute, préviens Dear John de rassembler tout le monde sur le bateau de Médic dans une heure. Oui. Dépêchez-vous un peu, quoi. Écoutez-moi, je ne le répéterai pas deux fois. Demain, on enterre Loser dans sa ville natale. Nous partirons à l'aube. Tout le monde se mettra en grande tenue, excepté Blues. Parce qu'il doit se cacher sur ce bateau. C'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Nous allons partir ce soir. Nous partirons seuls ou par groupe de deux. Et par des routes différentes. Personne ne mettra son uniforme. Pour une fois, vous serez poli avec tout le monde. Sinon, l'enterrement sera loupé. D'accord? Oui, d'accord. Allons, dispersez-vous. Obéissez au président. Je peux rester avec toi, tu sais. Tu me connais. Si jamais il te coince, c'est pas moi qui te laisserai tomber. Inutile, tout ira bien, sois tranquille. Je te laisse, Blood. Si les flics s'amènent, te panique pas, surtout. Tu prends le canot et tu pars en Chine. À bientôt. Cash, viens! T'empêcher d'aller avec eux? Non, rien.
ma faute ce qui est arrivé. Tout est de ma faute. C'est idiot ce que tu dis là. Oui. Est-ce que tu m'aimes encore? Je n'en sais rien. Les Américains se heurtent à une forte résistance à Da Nang. Les pertes du Viet Cong en hommes comme en matériel sont très lourdes. Vous pouvez la laisser? Non. Qu'est-ce qu'il prend? Rien. À quoi tu penses? À rien, je te l'ai dit. Tu penses que je devrais aller là-bas? Je pense rien. D'accord. Je trouve seulement que tu as changé, Blues. Depuis la mort de Loser, tu es différent. C'est comme si tu étais parti avec lui. T'es malade, tu dis n'importe quoi. Je sais pas, mais c'est bizarre. C'était ton meilleur ami et plus encore. Et moi, je suis plus rien. Si je mourais, qu'est-ce que tu ferais? Je voudrais partir loin d'ici, sur ce bateau. Blues, si on s'en allait, toi et moi. Tu es stupide. Je vais les rejoindre. Tu viens avec moi? Pourquoi pas?
enfant bien-aimé. Enfants bien-aimés, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à ce jeune homme fauché dans la fleur de l'âge. Joseph Cairns était... Joseph Cairns. Comment? Cairns, on t'a dit. Cairns, t'as pas entendu, ça fait Cairns. Oui. Oui, je... Joseph Cairns n'était pas un jeune homme comme les autres. Mais comme tout le monde ici-bas, il était le fils de Dieu et à ce titre, sa mort nous concerne et nous touche infiniment. Nous le pleurons ensemble et nous le regrettons. Un homme n'est pas une île séparée du reste du monde. Un homme fait partie de cet univers. Il fait partie d'un tout. Nu, il est sorti du sein de sa mère. Nu, il retournera dans le sein de la terre. Dieu a donné. Dieu maintenant l'a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais rien fait pour l'oseur. Comment? Qu'est-ce que c'est que ce baratin? Qu'est-ce que Dieu a repris? Et d'abord, qu'est-ce qu'il lui avait donné, hein? Il lui a donné le bien le plus précieux, la vie. Tu pars. On t'a dit ça quand tu es au catéchisme et tu le répètes comme un perroquet. Mais c'est la vérité. Le Seigneur donne la vie et l'homme en fait ce que bon lui semble. Ce jeune homme aurait pu faire tout autre chose de sa vie. Ah oui. Tu radotes, papa. Tu veux que je te dise, moi, ce que la vie lui a donné? Jamais il n'a pu faire ce qu'il voulait. Et il n'était pas bien exigeant, crois-moi. Il a passé sa vie à travailler pour manger, pour se loger. Il n'a jamais fait de mal. Il a toujours payé. Non, pasteur. Nous ne sommes pas les enfants du Seigneur, mais les anges de l'enfer. Qui aurait cru que tu tomberais si bas, ô Lucifer? Je dis malheur à celui qui appelle le bien le mal et mal le bien et qui s'égare. Ainsi parla Isaïe. Ainsi parla Isaïe. T'as tout appris par cœur, mais toi, tu n'as rien inventé. Dans le ciel, Lucifer ne nous dit pas que le mal est le bien et le bien le mal. C'est absurde, c'est ridicule. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose. On veut qu'on nous fiche la paix, c'est tout. Oui, nous ne voulons pas qu'on nous commande. Nous sommes assez grands pour savoir ce que nous avons tous à faire. Excusez-moi, jeune homme. Mais dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire, au juste? On veut qu'on nous fiche la paix. On veut vivre libre, libre de faire tout ce qui nous plaît. On ne veut pas de contraintes. On veut pouvoir se servir de nos bécanes sans avoir la police toujours pendue à nos fesses. Oui! Et on veut se saouler quand ça nous chante. Oui! Bravo, motion approuvée! On veut prendre du bon temps. Oui! Et c'est ce qu'on va faire, tu entends? Oui, c'est ce qu'on va faire. On va en prendre du bon temps. On ne va pas se gêner. Oui! Je ne suis pas ton fils. Je ne voudrais pas qu'il manque le spectacle. Occupe-toi de lui, Mehdi. Allez, viens, papa, fais pas tant de manières, puisqu'on t'a invité à la fête. Ah, regarde, il est dans les pommes. Allez, courage, mon gros. Et un chavon de déplacement. Youhou! Les enfants, la fête commence. Tu lui as mis? Quoi? T'es préoccupé, Blues? Non. Hé, hey, qu'est-ce qu'on attend? J'ai soif, moi! Allez voir, allons-y! Hey. Oui.
Dis donc, Guêche, tu dois t'ennuyer sans homme. Alors, ben, je les viens, on va s'occuper de toi, tu verras. Chagrin à la petite. Bonne idée. C'est ce qu'il faut? Tu parles. Alors viens, Trésor, rentre du docteur. Non. Laissez-moi, je veux rester seule. J'ai dit, viens! Non, je vais être seule, t'as compris? Non! M'ennuyer avec elle. Attends, je vais te calmer, moi. Là, voilà, respire bien à fond. Encore un petit peu, allez, vas-y. Là, voilà, c'est ça. Encore. Là, voilà, c'est bien. Très bien. C'est ta fête, scoutois. Il a dit que vous voulez s'amuser aussi. Ah oui? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est le pasteur qui devrait être dans le cercueil. Ah, c'est juste. T'en fais pas, on va arranger. Eh, Pygmé, viens nous donner un coup de main. Ah, amène-toi! Meilleure mine que le pasteur, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a envie de fumer aussi. Tiens, prends une petite bouffée, ouvre la bouche. Oh, est-ce qu'il a l'air sérieux? Alors, qu'est-ce qu'on fait du pasteur? Oh, viens, viens. On dirait qu'il est mort. Attends, je vais le réveiller. Thank you.
depuis tant que j'ai pu. Je te le jure. Dis-moi que tu ne m'en veux pas, Joey, chérie. Je savais que tu ne m'en voudrais pas. Pousse-toi, viens me donner un coup de main. Sentons le pasteur. Et donnez-lui une bière. Thank you.
Tu devrais dire quelque chose, tu crois pas, Blues? Y a rien à dire. Plus calme, nous devons d'abord l'enterrer. Mais attendre n'est pas pressé. Blues.